Je vais quand même faire mon intro. La dépression. Bonsoir à tous les écouteurs et bienvenue sur le Let's Play de l'éternité épisode 39. Ce Let's Play Platine Crash Bandicoot 4, c'est moi. Ben voilà, j'ai tout dit. Le Let's Play de l'éternité épisode... J'ai dit 34, je crois, alors que non, c'est 39. C'est encore pire. Bon. On attaque la dernière étape ce soir. Enfin, on a déjà un petit peu regardé à quoi ça ressemblait hier. Alors, on est parti pour les chronos. Je suis pas bien. Je suis réellement pas bien. J'ai regardé un petit peu une technique pour passer rien que le premier niveau, parce que le premier niveau, je n'y arrive pas. Sur internet. Et le monsieur fait une technique totalement différente de ce que j'ai pu faire. Donc on va voir ça. Si je peux appliquer cette technique. Oui. Voilà, alors. Bizarre, mais moi j'arrive pas à faire cette technique justement. En fait, il est tout le temps accroupi. Et là, quand j'appuie sur carré par exemple, ça ne marche pas. Mais c'est ça la technique du monsieur que j'ai vu hier. Ça marchera pas du tout. Alors, il faut que je trouve le bon rythme du coup pour faire ça là. Ok. Déjà là, je fais nappe. J'ai vu qu'il y avait un message sur le chat, je répondrai après, hein, je suis désolé. Je vais être un petit peu focus, comprenez-moi. Et merde. GG, tu as bien réussi sans moi. Salut à toi, Crash. Ben oui, j'ai beaucoup fait ça. Enfin, j'ai beaucoup fait ça. J'ai regardé beaucoup de Solus en ton absence. Ça sert à rien, tourbillon, en raid. Tout le temps comme ça. Alors, est-ce que ça sert à rien, le... Ah oui, en raid. Oui, d'accord, ok, j'ai compris. Et oui, faut quand même que je le... Que je le fasse tout le temps, quoi, le tourbillon, de ce que j'ai pu comprendre. Sauf sur le raid, hein, bien sûr. Et merde. Il y a de l'idée, mais c'est pas encore ça. Hein. Je suis désolé, hein, je réponds encore aux commentaires tout à l'heure. Je vais être trop concentré à chaque fois. Ça va être. Ça va être beaucoup de moi qui ne répond pas. Hein. Je m'en excuse d'avance. Putain, mais bâtard.
Ah non. Putain. Salut Pabo, glissade tourbillon, c'est pour celui de Toy for Bob. D'accord. Pour la platine, juste tourbillon. Bonsoir, et ben bonsoir à tous du coup, Alison Taverne. Bienvenue sur cet enfer. C'est le premier niveau, ça fait 6 minutes que j'y suis, j'en peux déjà plus. Parce que j'ai testé un peu hier et je sais ce qu'il faut faire, c'est inhumain. Comment allez-vous du coup? Alors du coup je vous montre un petit peu, alors y aller comme ça c'est impossible. De ce qu'on a compris hier, les gens qui étaient déjà là et tout. Il faut y aller en permanence en faisant ça. Donc voilà, là déjà à chaque fois, j'essaye de trouver le rythme. Mais merde, je l'ai pas. C'est une honte, comme tu vas faire pour la pire platine du jeu. J'ai pas envie d'imaginer pour le moment Crash. J'arrive déjà pas là. C'est chiant. Putain. J'ai plus le rythme, c'est mort. Je peux recommencer. Merci d'avoir soutenu Whiskers, mais c'est normal. Et enfin, à ce moment-là, j'ai vu qu'il était en live, j'étais présent. Pour une fois, l'après-midi, je pouvais venir. Et bah, du coup, j'y ai été. Et c'était très cool. Je vous conseille d'aller voir du coup la chaîne de Whiskers. J'ai mis dans les suggestions de chaîne maintenant parce que, de ce que j'ai compris, il y a un live d'Edmar, donc je pense que ça va être plus régulier. Et par contre, on a câblé. Enfin, sur un passage, à un moment j'avais trouvé la solution, mais il m'écoutait pas. C'était assez drôle. Je te fais la promesse du petit doigt que je serai meilleur à Fortnite. Salut à toi, Romain. D'accord, si tu veux. J'ai pris 3h36 sur le pire passage. Ouais, je crois que tu m'en avais parlé. Ou alors peut-être que sur celui-ci, je ne sais pas. C'est inhumain. Et merde. Je suis désolé, hein, je suis pas sur le chat là. J'ai d'autres problèmes. Je vais beaucoup ne pas être sur le chat, hein. Ça va être entre chaque essai que. Je vous répondrai malheureusement. C'est mort. Pff, salut Taverne. Non, je déconne, Maestro, je m'appelle Laure. Je mange des Wumpas pour me soulager de rage. Alors, c'est le niveau au cœur du bayou la plus facile. D'accord. Pff, je vais encore essayer un peu celui-ci, mais si je vois que j'y arrive pas, je vais peut-être switcher à chaque fois. Et je commençais peut-être par au cœur du bayou. Et à chaque fois, j'oublie une putain de caisse ou deux, quoi. Ah putain, le masque à chaque fois qu'il se barre, ça me casse les couilles aussi.
Parce que là, si j'étais invincible, bah je serais un super héros. C'est mort. C'est 100% mort. Le temps que je dois mettre, c'est, je le dis hein, pour les gens du coup, 53 secondes. Ou moins. Et merde. Mais genre ça fait sur un live comme ça là. Bah non, j'avais un petit peu décidé ça déjà d'hier, mais bon. Fais-les dans l'ordre, c'est mieux, il y a des raisons. D'accord, donc je vais faire dans l'ordre. Dans sa taverne, cet après-midi, j'ai eu une madame le bon magasin. D'accord. J'avoue, moi je l'ai pété au bar, mon masque. Oui, d'ailleurs, Romain qui m'a invité mercredi à venir au bar avec lui aujourd'hui. J'attends toujours qu'il me dise que ce soit confirmé. Je le rejoindrai peut-être. Salut Taverne Leblon, salut Shady. Oh Shady, salut. Comment tu vas? Ouais, et Romain Baudin s'en fout. Ok, oui. Car tu peux pas t'améliorer. Merde. Oh génial. C'est Je savais que ça allait être un moment de joie, mais je m'attendais clairement pas à ça hein, sur les chronos. Devoir tourbillonner comme ça sur les autres crashs, c'était clairement pas c'est mort. Et d'ailleurs maestro, j'ai eu un rencard aujourd'hui. Mouais. Et si tu les fais pas dans l'ordre, tu ferais des morts débiles. D'accord. Mais ouais, je pense que de toute façon c'est mieux de les faire dans l'ordre hein. Bonsoir Romain. Ce monde est easy, j'ai peur pour le reste. Putain, ça me casse les couilles, hein. Mais vénère. Ah yes. Petite perte de temps qui fait plaisir. C'est tellement inégal parce que j'essaye de regarder mon chrono au moment où j'arrive sur le slide là, et des fois je vais faire des 11, des 16, des. J'arrive pas à déjà avoir une constante ici quoi. Putain, mais même ça, oh là là, je préfère. Le prochain monde ça va. Demain après-midi, tu fais quoi, maestro? Bah, j'ai rien de prévu. Un peu de rangement, peut-être chez moi. Ou on a des cas privés, quoi. T'es sûr que t'as pas un autre encart, hein? Mais putain! Je vais câbler sévère. Hein. Je le sens dans toutes les fibres de mon corps.
Ah putain de merde, il faut que j'arrive à bien passer au milieu pour garder mon masque, pour être invincible là-haut et après c'est le Brésil un peu, mais vraiment un peu parce que j'arrive pas à aller jusqu'au bout. Mais regardez-moi cette inconstance, hein, je le répète, mais je suis pas constant. Mais merde. Yo, salut à toi Rice, comment tu vas? Je vous laisse les amis, je stream aussi de mon côté ce soir, Courage le Maestro, et ben bon live à toi Taverne. Allez apporter aussi du soutien à Taverne le Bon, hein, n'hésitez pas, c'est un ami et il le mérite. Faut pas louper une seule caisse sinon faut recommencer. D'accord, ok, bon bah. Salut tout le monde, alors cet épisode de Koh-Lanta. Ça va, Rice? Cet épisode de Koh-Lanta, ouais, voilà. Je vous laisse débattre entre vous. J'ai très peu de choses à dire là-dessus, sincèrement. Je l'ai vu, hein. Mais... Donc là, il faut que je recommence. Ok. Arnaud en puissance. Prévisible. Ouais. Vous avez tous les deux dit les choses vraies. Ah, ça me saoule ça, à chaque fois aussi, là. Je vais tenter quand même un peu en entraînement pour le moment. Désolé, hein, je vais pas beaucoup parler non plus. Je suis réellement... Ah putain, mais c'est eux aussi qui me font... Qui me font câbler et... Ouais, je sais que je dois atteindre les 53 secondes. Après, je sais pas... Tu te souviens de la caisse cachée du premier niveau? Non, c'était à... C'était il y a loin. Il est toujours là il y a 3 secondes. Ah d'accord. Il me dégoûte avec leurs armes secrètes. Il est temps. Ça arrête quand tu prends une caisse. Ouais, ça dépend en fait. Tu regarderas, il y a des caisses qui ont des numéros. Alors le platine, c'est pour ce soir, tu penses? Non, aucune chance. Aucune chance. Là, j'ai 38 chronos à faire. Hein. Je suis qu'au premier. Et, tu regarderas, il y a des caisses qui ont des chiffres. Elles sont jaunes et elles ont des chiffres rouges sur elles. Donc quand il y a un 1, c'est une seconde, quand il y a un 2, c'est 2 secondes. Et ainsi de suite, quoi. Enfin, ça va que jusqu'à 3, mais... Elle était là, non? Ouais, ça devait être ça. Bah, j'ai un peu foiré, mais... Je pense que c'était ça, quoi. Allez, bisous, ma couille, à demain. Ok, à demain. Ah oui, quand même, ah oui, dans 38 lives MDR. On va essayer d'en passer un peu plus que un par live, quoi. Ce serait bien. C'est bien ça, ok.
Mais merde. C'est fini. C'est déjà fini. Ben voilà. C'est pour ça que tu arrives pas. Oh, c'est pas que pour ça. Normalement, pour Noël, il devrait être fini. Ça fera un an tout pile que j'aurais commencé. Enfin, pas tout pile, mais... un peu plus d'un an, même. Si je finis à Noël. Ah putain! C'est con parce que je pense qu'il y avait de l'idée. Putain, ah, pas grand chose, hein. Là je le passais, il me manquait une seconde quand même. Mais ah bon. Oh là 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 là. Je pense que Spiron c'est un vrai coup à prendre en vrai. Je pense aussi. Merci pour le raid, monsieur Roux. Mais quel régal, merci. Salut à toi, Rollback 6. T'es chaud. Ouais, mais ça a pas suffi. Coucou à toi, Clochette. Bonsoir aux arrivants, bonsoir à tous évidemment. Et heureux, et c'est ballot, dommage, t'as fait nappe. Merci de l'encouragement. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Et comment allez-vous, vous tous? T'as ignoré les caisses? Bah, c'est pas que je les ai ignorées, c'est que je connais pas encore bien les emplacements, quoi, tu vois. Mais par contre, ce petit passage, il peut me sauver la vie, je suis sûr. Le moment où, en fait, j'ai pas suivi comme ça, mais que j'ai fait comme ça. C'est pas clair du tout ce que je dis, mais je me suis compris. Je m'entraîne, hein, même si j'ai pas eu la caisse, tant pis. Parce qu'il va m'en falloir de l'entraînement, à mon avis. Merde. Puis ce rythme, il est chiant à maintenir. Putain. J'y arriverai jamais. Là, j'étais arrivé à 8 secondes, je crois, tout à l'heure. Je suis à 16, c'est le double. J'ai fait beaucoup de mathématiques dans ma vie. C'est les chronos les plus abusés que j'ai vu faire un craquement de jeu, putain. Ouais, c'est mort. Du coup, on est sur le full contre-la-montre, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ça va, je descends ma pression artérielle, là. Si tu les avais cassés, t'aurais pu réussir. Bah ouais, je sais. Mais c'est chiant. Crash, ça va nous détendre, pardon.
27 heures par jour. T'étais à 14. Ok, j'étais pas vite, j'étais à 14. De quoi 27 heures par jour? Je ne sais pas ce que tu voulais dire, mais ça me va. À chaque fois, il y a une putain, je me suis fait gangbang. Une caisse d'une seconde que. De mathématiques, oui. Cinq essais. Là, le problème, c'est que si c'est pas bon à chaque fois, c'est. Zen, maestro. Je suis zen. Là, je suis le calme et la sérénité. Vous me connaissez, c'est pas mon style de rager. Ah mais merde hein. Eh putain. Ne pensez même pas activer le bouton pas de gros mots, je vous le dis tout de suite, je le respecterai pas. Pas que Cortex ressemble à un prof de chimie réfléchir, mais c'est un niveau super facile. Ben non, non. Hâte de voir ce niveau alors. J'ai pas eu besoin de réfléchir longtemps. Lol, c'est vrai qu'il ressemble à. Non, il ressemble pas du tout. Ça mérite d'être clair. Ah ouais, non, 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 mais là, Allison l'a activé pour faire genre, mais bite couille, mon cul, cul de bandicoot quoi. Je le dis, je vais être très salé. Mais non! Putain, mais c'est gênant. Le pire, c'est le niveau rocher bloqué. Ça m'a pris 3h36. Ça promet. Il est mal poli, ce con de gosse. Oui, c'est un peu mieux. Ouais, excusez-le par avance. Si tu le fais, ce niveau, tu fais même peut-être un jour.
Mais putain! Ta mère, la Bandicoot. Je vais aller jusqu'au bout si j'y arrive déjà pour me dire que j'arrive quand même à aller jusqu'au bout. En essayant d'aller le plus vite possible, mais c'est pareil, c'est mort là. Mais ta mère la chouin! Oh. Utilise la force, Maestro, elle n'est pas avec moi, ce n'est pas comme ça qu'on motive un speedrunner. Bienvenue à toi, Vincenzo Zole Mafioso. Vincenzo Le Mafioso. Ouh, excusez-moi si j'ai écorché le pseudo, bienvenue chez les écouteurs, merci beaucoup. Mais bon, voilà, je ne suis pas là pour le motiver, oui, ça je sais. Alors il faut les trois caisses, c'est bien, tu progresses. Ouais! On va y arriver petit à petit. Premier niveau, hein, des contre-la-montre. Ça fait que 33 minutes qu'on est dessus. J'ai pas eu la caisse. C'est une chantise. Je pense que ça se ressent hein, quand vous le voyez, mais j'allais dire vous n'imaginez pas à quel point, mais du coup je pense que c'est pas trop difficile à imaginer pour le coup. Parce qu'en fait tu as un tempo à respecter quand t'appuies sur carré pour qu'il fasse son triple tourbillon là. Mais quel connard. Ça en fait des adjoints. Ça va le faire, j'y crois. Tu gères mieux la toupie. Ouais, c'est vrai que je la gère mieux. D'où j'ai un téléphone, pourtant je suis un bandicoot. Alors, est-ce que tu essayes la technique impossible? La technique impossible, c'est ça. Je l'ai vu sur internet là. Être tout le temps accroupi, mais c'est chiant. J'arrive pas à rester tout le temps accroupi et tourbillonner en fait. Moi je suis preneur hein, de tout ce qui peut me faire réussir les enfants. Ouais, vous voyez là le rythme je l'ai plutôt bien quoi. Mais le problème c'est que je suis en train de spammer le bouton carré, mais il y a des endroits où il faut sauter. Et sauter c'est croix. Alors quand tu fais ça, crois-moi que le bouton carré, des fois tu n'as plus le rythme quoi. La technique de quand je suis baissé, bah pas vraiment, mais j'ai vu un mec passer tout ça easy en faisant ça. En fait, il faisait ça constamment et dans les endroits où il faut sauter, il marchait normalement, il faisait pas la toupie. Mais nique ta mère. Faut spammer R1 carré en même temps, temps régulier. D'accord. Bonjour, ils ont poulé au doigt NDR, tu m'étonnes. Ah. Ça paraît plus complexe quand même, hein. Ouais, je vois le délire, mais ça me paraît beaucoup plus complexe pour le coup.
Putain, mais ce passage-là! Mais va niquer ta mère, quoi! Ouais, je vais pas m'embêter avec ça. Sinon, il y a des manettes trafiquées qui spamment les touches en turbo à la place. Salut à toi, Cyril! Ouais, mais. Non! J'ai pas ça sous la main, quoi! Paye le jeu, ça marche bien aussi. J'avais pas vu que tu avais commenté avant. Je suis désolé, hein, y a pas mal de choses que j'ai pas suivi dans le chat. Mais j'ai encore oublié la caisse des 3 secondes. Je suis vraiment un sac à bite. Ah bah oui, c'est vrai que je suis... Faut que je fasse recommencer. Je voulais me suicider pour aller plus vite, mais... Quand t'arrêtes de t'entraîner, ça va. Change de main aussi. Ça fait un bon... Bah ouais, je sais, mais je suis pas bon, hein, en vrai. Vous attendez pas à ce que je fasse des miracles, hein. Ça se trouve, je vais mettre réellement 3 heures à faire ce niveau. Je vous ai prévenu. Et j'ai pas eu la caisse. Pour moi, c'est pareil, hein. Dès que j'ai pas l'invincibilité, c'est mort, mais... Mais nique ta race. Pas bon, non, mais la plupart des gens dans le chat n'en feraient pas autant. C'est possible, peut-être. Tu vas pas progresser, tu vas juste faire du temps de jeu. Oui, bah oui, je me doute, hein. Juste que tu trouves le rythme, ça va le faire. Commence déjà à être gentil avec lui, arrête de l'insulter. Tu recommences et recommences et tu feras plusieurs lives. Fais gaffe, t'es suivi. Ouais, non, bah, du coup, vas-y, maestro, je n'insulte pas. Non, il n'insulte pas, il me donne des conseils en plus parce qu'il l'a fait. Heureux. C'est vrai que j'ai pas prévenu avant le stream, mais j'ai déjà eu pas mal de petites coupures internet cet après-midi. Notamment quand j'étais voir le live de Whisker où on parlait ta mère tout à l'heure. En mode torture ce soir. Oh bah là c'est. C'est sûr même l'impossible de faire mieux que Maestro. Je pense que si. Ah oui, je me disais aussi. Bug. Ah, j'ai droit à une pub. Ah merde. Bah excuse-moi. Rien n'était prévu. C'est pareil, du coup, Monsieur Roux a débarqué. Il a fait son raid, j'ai même pas fait sa pub. Je fais sa pub juste après. Parce que il a commencé Resident Evil 8. Allez le voir sur sa chaîne. Pendant que moi je fais de la merde, voilà. En fait, je peux pas faire les choses en même temps. Donc, du coup, oui, allez le voir. Alors, si tu veux être chaud, fais du premier coup. Je dis juste à Maestro d'arrêter d'insulter Crash. J'ai jamais dit que tu l'insultais. Ça prête à confusion en fait. Même moi j'avais pas compris ça. Bon allez.
Putain, quand t'es content de finir une étape de merde, t'en as quand même une qui revient tout de suite après, quoi. C'est la beauté du jeu. Hein. Eh merde hein. Je suis sûr que c'était bien parti là en vrai. Reste focus, t'inquiète, c'est gentil pour la pub. Ouais, je suis désolé, j'arrive pas à faire de... merci de m'avoir dans l'Isson, je peux revoir Maestro galérer maintenant. Qu'est-ce que t'as fait, t'as encore fait pour être ban Siri? Je suis pas modo, sinon tu ne serais pas là. Monsieur Roux, rien, mais je me suis dit, tiens, une coupure live, j'ai dû être ban. Lol. Dommage, j'y ai cru, ouais, moi aussi. Franchement, là, j'y ai un peu cru. Monsieur Roux, des fois c'est gratos aussi, regarde ton moto. Une habitude peut-être. Re Maestro, re à toi Didish. Faut pas que tu fail, hein. Fail égale recommencer. Ouais, j'ai bien compris, mais attends. Il faut que... Laisse-moi appréhender le truc, Crash. S'il te plaît. Ah bah tiens, on parlait de toi Didish. C'est vrai, j'ai même pas vu. Ah oui, c'est le moto. Qui a foutu la merde. Quand j'y pense, les chronos, c'était vraiment une vraie galère. Oh oui. On s'est raté cette patience. De moi, je me rappelais plus... plus son nom, mais voilà, c'est Fichelhomme qui fait rien le chat. J'espère que vous n'êtes pas trop sensible à tout ce qui tourne non plus, hein, parce que c'est un coup à vous choper la gerbe. Pareil, à cet endroit-là, je ne maîtrise absolument pas. Putain de ta mère, la pute! Putain, mais la caméra qui suit pas mon mouvement.
Ah oui. Mais Pick Insanity, c'est plus simple que ce niveau. Mais oui, mais. Qu'est-ce que tu veux que je te dis? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je n'y arrive pas, tu n'y arrives pas. On parlait de tes super pouvoirs, Lily Shire. On disait, heureusement, Kaison n'avait pas les mêmes que le tien. Sinon, il n'y aurait plus personne sur ce chat. Ah oui, c'est totalement pour ça que je lui laisse pas le pouvoir. Puis parce que sur portable ça, ou tablette, ça doit pas être terrible de jouer les modos. Je dis pas que c'est impossible, mais que ça doit être chiant. Putain. Ta mère. C'est impossible sur téléphone, d'accord. Oui, c'était sympa pour The Musician, surtout qui est toujours là. Certes, tu t'entraînes, mais tu vas jamais progresser sauf moi. Bah oui, je sais bien, mais je sais pas quoi te dire, Crash. J'ai bien compris qu'il fallait que je prenne toutes tes caisses, mais pour l'instant, tu vois bien que je n'y arrive pas. J'ai compris l'essentiel de ce que je devais faire, même si là j'ai encore mis une caisse, hein, mais. Voilà. Mais bon. C'est pareil, ce saut là il est chiant à mourir. J'ai envie de crash prix. Ouais, elle était bien la run du coup, hein, pour te répondre monsieur Roux, j'ai eu le temps de regarder vite. Mais c'est le saut qu'elle a haut, il est pas évident non plus, hein, parce que j'essaye de toujours être en tourbillon, mais du coup pour faire le double saut c'est complexe, enfin. C'est complexe.
putain. Passage de ces morts. C'est pareil là, je me serais pas troué hein. Ça va le faire, garde la foi, ah, je l'ai la foi hein. Dans quelques petites failles. Je veux dire, j'ai ramené 4 personnes. On était 4 de plus en arrivant. Ah oui. Ça va le faire, garde la foi. Allez, ça progresse hein. Doucement, quand tu arrives dans les escaliers, tu paniques, on a l'impression. Bah c'est pas que je panique, c'est que... C'est un peu chiant de bien se diriger en même temps que tu fais le tourbillon, puis du coup je l'arrête, et puis enfin... C'est compliqué. C'est compliqué. Parce qu'il y a un move dans les escaliers hein, que j'ai repéré. C'est mort. T'as le palpitant aussi, c'est normal. Non, ça va. J'ai pas... Ça va. Ouais, je sais que ta bestiole doit toucher la TNT, mais... Encore une fois... C'est pas simple. Après, je me dis que si l'autre débile en fantôme, il prend le temps pour appuyer sur la putain de caisse de TNT, c'est que c'est faisable, hein. Non, non, mais je l'ai... Ah oui, t'étais pas là, Cyril. Je l'ai dit, les boutons pas de gros mots ne marcheront pas ce soir. Je suis désolé. T'as dépensé des points pour rien. Je devrais les arrêter. En vrai, t'es bon, là, maintenant, ça va passer, t'inquiète pas. On verra. Bah, de toute façon, ça va bien passer tôt ou tard, hein. Là, c'était nul à chier, ça. Putain, du coup, j'ai regardé le chat. 5 minutes, c'est bon. Speedrun sans gros mots, c'est mort. Ça va t'aider à le passer en plus. Mais non. Absolument pas. Je vais être encore plus frustré de retenir mes mots. Je vous offre un pas de gros mode gratuit pour les prochains lives. Hein. Rappelez-moi que vous en avez utilisé un ce soir. Ceux qui en ont utilisé un. Oui, c'est ça qui est chiant, putain. C'est ça qui est chiant. Tu réussis, je serais content. Bah oui, je comprends. Ne regarde pas quand t'es chaud. Il y en a eu beaucoup d'utilisés ce soir, ils sonnent la moto. Le mien, il tient, voilà. Je le sens bien, alors. Bah, on va voir. Mais en vrai, j'ai... Putain, aucune pression, aucun... Aucun stress, c'est juste que j'arrive pas à maîtriser quoi. Ça qui est chiant. Tu as vu pire. Je sais. Enfin, quoique.
Je suis sûr qu'il y a moyen, même en oubliant quand même quelques caisses. Hein. Putain, ça par contre c'est mort du coup. Puis du coup cette caisse de TNT est inesquivable. Pas grand chose. Déception, non, il a raté la caisse de 3, donc c'est un fail. Il peut Omar il peut quand même essayer. Quand même. MDR bien vu. Cette caisse de mort. Ouais, là, je pense qu'il y a moyen, hein, mais... J'ai pas eu la caisse de 3. Ouais, faut faire 53 secondes... Ça joue aussi au centième, hein. Enfin, ça peut jouer au centième. Je crois que c'est 57 centièmes, donc je fais 53 et 56 centièmes, ça passe. J'aurais pu continuer en fait, mais tant pis. 53,97. On ouvre les paris. Qui dit dans moins de 3 tentatives, moins de 5 tentatives. Le vote. Ah, tu veux que je fasse un vote là-dessus du coup? Parce que le vote ça sert pas à ça de base, mais si vous voulez. Alors. Peut-être une prédiction, non? Ce serait mieux. Oui, prédiction. Je vais mettre moins de 5 et plus de 5. Qu'est-ce que vous en pensez? Putain, j'arrive jamais à trouver le plus, je l'écris en toutes lettres. Je suis une pite sur clavier. Période de la prédiction, on va la mettre sur 20 minutes. Donc, je vais afficher. J'ai compris. Oui, la prédiction presse. Mais plus de 10 aussi. Ah merde. Non, bah tant pis, ce sera moins de 5 et plus de 5, c'est bien. Par contre, je sais pas comment attribuer un résultat après. Si vous savez, vous. Les modos et streamers. N'hésitez pas.
première elle compte pas, elle compte pour du beurre. D'accord. Pourquoi elle compte pas, je sais pas, mais si vous voulez, il était pas prêt. D'accord. On va dire que ça comptait pas, si vous voulez. Mais que la première, hein, pas la deuxième ou quoi. Parce que je sens que ça va être un moyen déguisé pour vos prédictions. Putain, c'est ce saut de merde qui me casse les couilles. En plus, j'étais bien. Perfect. Et non, mais non. Je vais aborder ça autrement. Prends ton temps, ça a été bon là, maestro. Mais oui, je suis bon. Faut le faire en moins de combien de temps? C'est fait, on l'a fait. Voilà, on y est à PEC. Bon, là, 53-97ème. Mais oui, le joueur français va-t-il le faire? On y croit, il l'a fait. C'est la bonne, yes. Merci pour les GG, pour les let's go. Merci à vous. Alors, c'est pas pour te faire chier. De faire dans l'ordre, mais le monde engine est le pire. T'inquiète pas, on verra. Du coup, tu disais GG, bien joué. Merci à tous, merci à tous. Du coup, comment je fais pour après... valider la prédiction du coup. Merci pour les gros GG. Oui, j'y ai cru. Bien joué. Plus que une trentaine, plus que 37 précisément. GG MDR. Donc la bonne réponse était moins de 5. GG à tous ceux qui ont eu bon. Ouais. Et vous étiez plus nombreux à y croire d'ailleurs. Visiblement. On le fera pas le Toy for Bob 39 secondes et quelques. Hein. Je suis seul à avoir mis moins de 5. Ah oui, je le vois. Je le vois du coup à côté. C'est beau. C'est beau, monsieur. Mais du coup, comment on fait pour dire que c'est le moins de 5 qui gagne? C'est ce que j'essaie de... C'est moins de 5. Le résultat, merde, il était affiché, j'ai pas fait gaffe. Je vais vous le dire. C'était 53 secondes et 97 centièmes qu'il fallait faire. Et là, j'ai mis 50, 52. 53, 14. Ouh la vache, putain. Il était temps d'arriver quand même.
Je voulais mettre moins de 5 aussi, mais j'arrivais pas à voter. Oh, c'est cool, j'ai plus un manip en tête. Ah, prédire, c'est quoi? Je vais regarder sur internet, hein. Laissez-moi regarder. Eh ben, plus que 37, hein. Durée. Prédiction, bah, créateur configuré de prédiction. Tableau de bord, trouver et lancer une prédiction, lancer rapide. Tout est pareil pour prédiction. Alors, mettre fin en prédiction. Vous pouvez mettre fin en prédiction en temps réel. Ah, juste comme ça. Visiblement. Attendez. Prédire. Qu'est-ce que cette merde? Je suis désolé, hein. Mettre fin au vote et choisissez un résultat. Les points de chaîne sont réservés pour l'aspect. Ah d'accord. Alors, il faut que je fasse ça. Oh là là, j'y arrive pas. Gérer les récompenses peut-être. Mais non. Mais. Putain, mais c'est quoi cette merde? Je suis désolé, hein. Attendez, je suis en train de me battre là-dessus. Je suis avec vous incessamment sous peu. Si je fais ça, peut-être. Ah, voilà. Terminer les votes. Choisir la réponse. Ah oui, choisir la réponse. C'était moins de 5. Terminer la prédiction. Êtes-vous sûr que... Oui, terminer la prédiction. Voilà. Donc alors, attendez, je reviens sur le chat, je vais regarder un tout petit peu. Oula, je vois plein de cadeaux, mais je vais quand même essayer de lire avant. Alors, je suis seul à avoir mis moins de 5, c'est trop leak, 0,43, d'accord. Je voulais mettre moins de 5 aussi, mais j'arrivais pas à voter, ça j'ai lu. L'arche plus simple. Ok, du coup, tu peux rien faire... Je crois. Si c'est bon, du coup j'ai trouvé. Monsieur Roux, 5 abonnements de niveau 1. Merci à toi, Monsieur Roux. Mais quel régal, Monsieur Roux. Merci beaucoup, vraiment. Il régale, mais de jour en jour. Il avait déjà offert 6... Ah, il a déjà offert 6... Oui, ça avait avec celui d'hier. Mais oui, bien sûr. Alors, n'hésitez pas. Merci, Monsieur Roux, hein, si vous faites partie des gens. Donc, Cyril, Clochette, Uncoré. Ouh, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Allison, du coup, et Chouki 53. Pourquoi pas? Oh, merci, Monsieur Roux. Mais tu es cet homme, Monsieur Roux. Ben voilà, déjà. Voilà, 5 abos, Monsieur Roux, régal. GG aux gens qui ont gagné. Il envoie trop d'amour, ce Monsieur Roux. Très gentil. Monsieur Roux est un amour. Allez le voir sur sa chaîne. C'est pareil, il faudrait que je configure un truc comme Clochette avait fait sur ta chaîne dans le chat pour que vous ayez directement le lien de sa chaîne quand je l'invoque, le truc. Il faut que je le fasse, mais vraiment, merci beaucoup. Incroyable. Là, je suis reboosté pour... On platine le jeu ce soir, comme j'ai dit. Ça veut dire que c'est un stream de qualité supérieure. Oh bah... Je suis pas sûr de ça, mais... Dommage, les 5 sont random, j'aurais préféré choisir. Ouais, ça, c'est pas grave. C'est... Moi, ça me fait déjà extrêmement plaisir. Mais sur les 5, il y en a 4 qui sont là régulièrement. Donc, c'est vraiment pas mal. Pas grave, les streamers me donnent des abonnements. Oula. Je vais faire celui-ci, alors sans me prendre extrêmement la tête, pas en essayant d'avoir la relique platine tout de suite, mais en essayant d'avoir les autres reliques pour voir les paliers, vous voyez. Là par exemple, je suis mort.
signe que je me prends pas la tête. Oui, oui, j'ai bien compris, en 43 secondes. Ne t'en fais pas, mais avant, je veux savourer les joies de la découverte, quoi. Alors là, je fume le fantôme, hein. C'est normal, c'est parce qu'il est calqué sur la relique la plus basse, en fait. Quand je tenterai... Merde, j'avais pas anticipé ça. La relique la plus haute, ça sera beaucoup plus vénère. Siri, il offre un abonnement de niveau 1 Crash Bandicoot. Mais faut régaler ce soir. Si tu fais un par un, tu peux choisir, mais par groupe, tu peux pas. Ouais, ça, c'est chiant. Allez, Maestro, bon courage. Merci, Shelly. Merci beaucoup, Cyril. Mais oui, mais vous êtes géniaux. Rise profite de l'argent de Cyril, du coup. Cyril qui offre son deuxième abonnement, mais... Vous êtes chaud. Vous êtes tellement chaud. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Train de la hype, chiche. Je sais pas comment faire un train de live. Vas-y, si tu veux, je le tends. J'imagine qu'il faut juste faire... Alors, comment on dit en anglais? Mais vous êtes vraiment géniaux, hein. Ça me fait rire. C'est que je suis tellement nul pour lancer les trucs. Mais si, ça lui laisse le temps de se rappeler du niveau, nom de Dieu. Allez, le chat, c'est des copains. Ah, franchement, mais vous régalez. Ah, c'est à vous de lancer le train de la hype, d'accord. Eh bah, je ne sais pas alors, du coup. Mais vous êtes incroyable. Je... Merci mille fois, vraiment. J'ai pas les mots. Je vais tenter de pas vous décevoir, du coup, hein. J'ai bien dit tenter, je suis désolé si je vous déçois. Ah ouais, faut que je fasse gaffe du coup. Et merde. Le chat des amis, trop bien pour Maestro, merci pour lui. Ah ouais, non mais... C'est chaud là. Tu nous déçois jamais. Ouais, j'espère. Du coup, tu nous chantes une chanson, Maestro, je vais la choisir. Franchement, si vous voulez, je suis pas sûr d'être à la hauteur non plus là-dessus, mais je vous le dois alors, vraiment. Je regarderai quand même après, hein, du coup, pour la chanson. Pas là. Mais même le crash plus ou moins facile, là, en fantôme, il n'est pas dégueu, je trouve. Merde, c'est pas... Ah, j'imagine qu'il y a des caisses à seconde. En plus de ça. Bah du coup j'atteindrai pas les 43 secondes et quelques comme Crash m'a indiqué, hein. Pas sur cette run là du moins. Mais j'en suis pas loin loin, je pense. Ah bah merde. Fallait que je prenne la corde et normalement c'était la fin du niveau. Mais j'étais pas loin loin. Ouh, MDR, hâte de voir ta belle voix. I will survive. J'ai fait de rester jusqu'au bout. Donc je t'aime de jeu. MDR. Bim bam boum, elle va tellement bien.
avec ce crâne. J'avoue. Mais pourquoi tu veux faire dans l'ordre? En plus, il y a Eurovision demain soir. Mais je sais pas, c'est toi. Je croyais que c'était toi qui me disais que je devais faire dans l'ordre. Aïe. Promis, la chanson vient après, hein, attendez. Oula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 l
T'as pas regardé la carte. Je sais, pardon. Je m'en dis. Je vous l'avais dit que j'essaierais de pas vous décevoir, mais... Eh merde. J'ai pas fait le même move que tout à l'heure. Il est pas ouf, enfin cette run là est pas ouf. Hein. Oh. Oh. Oui bien sûr, demain c'est match, ensuite je prends la voiture, je vais chercher Dag et on rentre chez lui. Attention l'arbitre là. Finale de la coupe d'Europa de rugby. Quand je faisais les chronos, j'ai enlevé le fantôme de crash. Ça me stressait plus qu'autre chose. On peut, ouais, je vais peut-être le faire. T'as pas regardé la co- ça j'ai vu, valait le coup. Épisode de Koh-Lanta ce soir, ou pas, parce que je l'ai pas encore vu. Ouais, prévisible, c'est vrai, elle a raison, Alison. L'épisode de. Bah oui quand même. Oui, ah, il y a quand même un truc qui vaut le coup. Option. Commande, peut-être jeu. Pourquoi il m'a mis une manette de PS4 alors que j'ai une superbe manette de PS5. Fantôme contre la montre. Non. Allez. Après, si vous préférez voir le fantôme me mettre une distance de ouf, vous me le dites, hein, je le remets. Hein. Mais je pense que moi, ça va m'aider de pas le voir. Ah, j'ai foiré le truc du masque. Ça peut peut-être se faire sans, hein, mais... que je regarde ton live demain, monsieur Roux. Je regarde le match à la maison avec des potes et des bières avec modération. Si tu mets le fantôme facile, mais que tu fais le score platine, c'est validé quand même. En fait, le fantôme, il se met automatiquement. C'est-à-dire qu'au début, il était en facile parce qu'il y a 3 niveaux de relique, en fait. Je sais pas si je peux le voir de là. Ah, vous voyez, là, j'ai la relique or, c'est le deuxième niveau. Et mais nous, on cherche à avoir la platine qui a 43 secondes et 81 centièmes. Dès que je. Quand j'ai commencé, j'avais le truc en dessous l'or. Donc, du coup, il était calqué sur ce niveau-là. Et en fait, c'est ainsi de suite, quoi. Enfin, il était. Quoique, il était peut-être calqué sur le niveau or. Et maintenant que je suis en or, il est calqué sur le platine. C'est comme ça, en fait, que ça marche. Il te reste. Ouais, bah oui. J'aurais dit. Il aurait viré. Pourtant, je suis pas très. Habitué, mais bon. Du coup, c'est. Ok, merci. Hello et merci pour le sub. Salut à toi, Ancoré. Comment tu vas? Et merde. Alors, je suis désolé, hein, je repars en mode concentration. Et du coup, monsieur Roux, ce sera à quelle heure le live demain? Merde. Ça va, merci. Et toi, je pensais que tu avais platiné depuis. Il te reste beaucoup de choses. Non, je l'ai pas platiné, malheureusement. Bah là, et en fait, j'attaque les chronos, comme tu peux le voir. C'est le deuxième niveau sur 38. Et il me reste plus que ça. Vous connaissez Dag, on ne sait jamais à quelle heure il arrive. D'accord. Possible alors que je fasse peut-être un petit truc de mon côté. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous voulez que je fasse Titeuf demain? C'est un jeu qui va être assez court. Ça me permettra d'arrêter un peu Crash, que je respire.
Et je fais ça, genre, j'ai une connerie, je commence à 18-19h, je sais pas à quelle heure je fais rentrer moi de mon côté. Et je sais que ça me prendra pas toute la nuit. Donc au pire, je serai peut-être pas là pour le début avec Dag, mais... Enfin, sur le live de Dag et Monsieur Roux. Mais j'arriverai après, quoi. Mais faut que je continue tout droit, je suis con. Me masse le dos. Vous avez vu ce fauteuil, hein? J'aurais dû le mettre en emote de niveau 1, parce que j'ai mis en emote de niveau 2 mon fauteuil, c'est débile. Alors quand tu vois la ligne Loli, tu vas à gauche. Ok. Merci pour l'info. C'est quoi, Maestro? Absente si tu le fais sur ces horaires-là. D'accord. Et je sais que ça a été toi qui me l'a réclamé quand même beaucoup, donc je ne ferai peut-être pas ça, là. Si je fais quelque chose. Mais merde. Ah putain, mais il me casse les couilles, lui. Ah là là. Mais si, je suis content, en fait. Là non. Il sert à rien là parce que. Ouais, dommage. Donc pas grand chose, hein. Alors, j'ai loupé des choses. Je vous laisse. Salut à tous. Merci Maestro. Cœur sur vous tous et votre famille. Et bah, bonne soirée à toi. Je sais pas si t'es encore là du coup, Didi. Mais des gros bisous à toi et merci de passer. Hein. MDR, tu me tues avec tes commentaires. Pas déjà les potos, si c'est le dernier épisode, c'est ça. Bisous frérot, toujours un plaisir de passer sur toi, allez, bonne nuit. Parler comme Crash Hang Hang. Il joue aussi, oula, il y a un petit pavé.
joue aussi pour se détendre et passer un bon moment avec nous, tu sais. Donc, des fois, effectivement, la concentration n'est pas de la partie principale, c'est que l'on passe un bon moment, non. Dabdi, normalement, oui. Bien envoyé, MDR. Bonne nuit, complètement d'accord, Alison. Oui, mais voilà, il doit être aussi concentré. Il joue comme bon lui semble, pas loin. Crash le tryharder. C'est un perfectionniste aussi. Bon lui semble, ça se voit. Ah oui, mais c'est... Enfin... Je sais que ça te frustre, Crash, hein, mais je fais de mon mieux, vraiment. Après, oui, c'est sûr que, bon... Si je voulais me concentrer à fond, je ferais pas ça en live et je ferais ça dans mon coin, très sincèrement. Mais c'est normal que je sois un peu distrait. En plus, avec tout l'amour que vous m'envoyez... Bah, je trouve sinon Crash va pas être content. Par exemple, tu fais un boss d'un jeu, il lit les commentaires, oui, t'as raison. Ouais. Pardon. Ah, le problème, c'est que si je suis concentré de ouf, c'est pas fun, hein. C'est ça le truc. Qu'il y avait un move à tenter là en vrai, par contre, blague à part. Ah, fait chier, j'ai pas mon invincibilité. Bah effectivement, je l'ai passé du coup, je pense, mais bon, parce que c'était ouf. Oula, calmez-vous les enfants. Bon, lui semble ça se voit. Bah oui, sinon Crash ça va pas être content. Attendez. Alors, c'est un exemple, tu as raison, maestro, non, je peux me couper. Mauvais exemple, nom de Dieu. Au pire, pas être concentré à travailler. Avec ce même chant, t'as géré dans cette run. Oui. Non, mais sérieux, c'est vrai. Mais oui, pas trop mal. Voilà. GG, merci, bien joué, maestro. Bon, voilà. Merci, yes. Mais c'est pas méchant ce qu'il dit de près. 31-52 maintenant. Non, on le fait pas ça. Ouf. C'est bon. On l'a passé. Plus que 36. Ouais, non, celles-ci, elles sont pas obligatoires. Mais tant mieux, tant mieux. je n'arriverai pas à survivre à ça. Bon, on y retourne. Mais oui, calmez-vous, les enfants. Après, dites-vous qu'on est là pour s'amuser. Ne me mettez pas la pression. Ne vous mettez pas la pression entre vous. Alors. Ouais, je vais aller trop vite là.
fait de l'encouragement. Après, Allison, sa façon de dire les choses, il est direct. Moi, j'aime bien. Toi, Allison, je comprends aussi ton raisonnement, c'est protecteur, mais je pense pas que Crash ait du mal à Maestro. Bref, on s'en fout. Mais pourquoi t'as pas pris le raccourci? Bah, parce que je découvre. Voilà pourquoi j'ai pas pris le raccourci. Ben oui, non, mais je comprends votre attitude à tous les deux. Ne vous inquiétez pas. Il y a aucun problème. Et putain. Ah putain. Alors, je suis désolé, hein, je suis un peu dans mon délire encore, mais... Ok, bah, il tombe la pique sur... Ouais, je voulais voir s'il y avait des caisses... qui allait me donner du time, mais visiblement non. Ok, le masque il sert là. Oh. Tout va bien les amis. Prends le temps de t'arrêter pour les requins, t'inquiète, ça passe. D'accord. C'est bon, satisfaisant, putain. Je suis d'accord, mais on comprend les choses, ils répètent toutes les 5 secondes. On est là pour passer un bon moment comme d'hab. Dire des conneries, on est là pour se prendre au sérieux. Pour pas se prendre au sérieux. Sinon ça sert à rien d'animer des lives, tu vois ce que je veux dire. Ok, quand tu sautes sur la caisse de 3, ça va tirer sur le masque à coup quoi. Détendez-vous. C'est moi qui ai stressé si vous. Et putain, la preuve. Laissez-moi découvrir un peu le niveau, laissez-moi faire mes erreurs. J'aime bien vous encourager, mais... Laissez-moi découvrir le jeu. Ouais, je me suis pas arrêté comme un truc, mais... C'était dans l'euphorie du moment. Cet enchaînement de merde. Putain. Attends, ça c'est Maestro, il est son jeu, j'avais son live comme il entend. Mais oui, évidemment les enfants. S'il vous plaît, s'il vous plaît. En plus, vous êtes tous les deux adorables. Je sais que vous me défendez tous les deux, que vous voulez m'aider, mais... Stop. Détendez-vous. Riez de moi si je perds. Soutenez-moi si vous le voulez. Faites ce que bon vous semble. Mais ne vous prenez pas la tête entre vous. Un peu direct, un peu space, attention, c'est pas vraiment ce que je dis. Mais on est détendu. Mais oui. Mais je le vois. Mais tant mieux. En plus, c'est une soirée formidable. Grâce à vous, j'ai gagné de l'argent. Non, encore merci hein, pour ces abonnements. C'est vraiment génial. C'est vraiment ce qui remotive une soirée, quoi. Enfin, j'ai toujours été motivé, mais alors là... Ça rigole. Et merde. Et merde, la thune. De la moula. Dès que je peux faire un virement Twitch sur mon compte, je vais tirer tout l'oseille et je vais juste faire ça devant vous. J'ai demandé que des billets de 5.
Eh merde, j'ai gardé le masque. Putain, je fais nappe. Je fais nappe. Bien vu le démarrage, ouais, j'ai vu. Oui, non, mais je sais, j'ai compris ce que tu voulais dire. Mais si ça passe pas, ça passe pas. Voilà, tu as tout dit. Putain, il faut que je fasse un double saut, je suis con. Ah, il y a une caisse de deux là, d'accord. Oui, ça effectivement, je l'avais pas vu. Sur ce, bonne nuit, bon live maestro et à bientôt. Et bah bonne nuit à toi, Alison. Je fais nappe du coup. Putain, mais j'arrive plus! J'arrive plus! Ah, désolé, hein, je suis encore dans mon délire. Ouh, j'ai cru que c'était un peu tôt. Ah putain, mais encore, hein. Ah, je sais pas quel chemin était le mieux. Si c'était gauche ou là. Ah, c'est arnaque. Je pense que je suis large, enfin je suis large pas bon. quand j'avais vu, j'en fais plus des comme toi. Alors les masques sont faits pour être utilisés en cas d'urgence, d'accord. Je sais pas si Taverne a sorti une date pour Silent Hill. Je ne sais pas, il est en live là, si tu veux aller l'interroger, du coup. Je sais pas sur quoi il live, il est passé tout à l'heure, il m'a dit j'y vais, je live. Si vous voulez aller le voir et le soutenir, hein. Super Meat Boy, oula, ça risque de rager aussi si vous voulez voir ça. Je vais y demander sinon, bah oui voilà. T'aurais essayé. T'es pas obligé d'utiliser le pont pour apparaître les caisses. Tu
tu fais glisser et sauter et t'arrives à atteindre l'autre bout. Ok, je vais aller le voir à tout de suite. D'accord, donc glisser et sauter. Tu as utilisé un masque pour rien. Bah oui, mais écoute, c'est pas facile. Je suis désolé. Merde. C'est pas les requins. Mais merde! Crash alert sur la 6ème dimension. J'ai trouvé une bonne technique. Merde. Je sais, j'ai encore utilisé un masque pour rien. T'en fais pas. Ça va bien se passer pour tout le monde. Ben non, bon, on m'avait insulté pour mon stream. Et donc, il faut les autres masques pour fermer la faille? Oui, et mon frangin. De ou Price, c'est trop ça. Oh merde. Pardon. Putain, mais... Ah, mais merde! Je vais faire une petite pause, les enfants. Je reviens incessamment sous peu. J'ai besoin de m'aérer l'esprit. Je vous envoie une pub si ça marche, du coup. Même si, bah... Beaucoup de gens ne la verront pas, même si elle marche, du coup, grâce à la générosité de Monsieur Roux et de Siri Hill, que je remercie encore mille fois. Allez voir Monsieur Roux sur sa chaîne, c'est excellent aussi ce qu'il fait. Pour le moment, je ne suis pas encore ultra présent sur sa chaîne, puisque c'est compliqué. Et la dernière fois, voilà, j'ai voulu y aller, mais j'étais en examen. Mais je vais y aller. Vas-y, ça marche, et toutes les caisses, écoute, crash. Je reviens tout de suite, bande de fous.
Meur voilà. Je vous remercie de votre patience. Monsieur Roux et Maestro, là, il y a pas mal de choses visiblement que j'ai loupées. Mon crash, je te kiffe. Tiens, un flow, monsieur Roux. Tiens, un flow, monsieur Roux. Oui, alors, Wa égale content. Ang, je vais bien. Wa triste. Voilà. Wa, bois, bois. Je peux parler. Oh, merci pour le follow. C'est trop gentil. Heureux à toi, Cyril. Au moins, tu pourras voir mes voix. Mes voix. Je pense que je vais pas tarder à m'endormir, mais j'ai tourné le live. Et bah, bonne nuit à toi, monsieur Roux. Encore merci pour le raid, pour les abonnements offerts, pour tout. Tu es génial. Si tu m'entends, hein, encore. Foncez voir monsieur Roux. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et visiblement, vous l'avez fait car il a déjà gagné un follow. Ah bah c'est fini, non, pause, c'est une pause, pause. Oh, alors sinon, quand je parle, wa et en temps, ang, je vais bien. Monsieur Rui Maestro, il y a Taverne qui annonce le Silent Hill dans une semaine ou deux. Pour l'instant, il n'est pas décidé, mais ce sera sûrement un dimanche soir, venez nombreux. Ça marche, c'est noté. Wow égale triste. Va le voir vite fait en pause, pendant la pause. Wa égale, je peux parler normalement. Crash égale chelou. Wat égale quoi? Et Crash Bandicoot et Rise, vous êtes deux dingos. Dabadi, dabada, peut parler n'importe quel mot. Je suis qu'un Bandicoot et les Bandicoot de base, ça parle pas. MDR, moi je me régale avec ce Crash. Oui, merci Monsieur Roux encore. Oui, encore merci Monsieur Roux, évidemment. Monsieur Roux est un amour. Rendez-lui tout cet amour qu'il vous a donné. Et il faut que je lui rende aussi un de ces quatre. Bon maestro, je vais devoir vous quitter, mais je reviendrai. Bon courage pour la suite du live, allez, à bientôt. Ça marche, bonne nuit à toi, Shady. C'était un plaisir, comme à chaque fois que tu sois là. C'est bégayé, excuse-moi. Mais je pense que tu as compris l'essentiel du message. J'adore rire. Je le prends pas le temps sur les requins à chaque fois, je suis bien. Un connard. J'ai des gros doigts, j'appuie sur rond en même temps, c'est n'importe quoi. Cyril a offert un abonnement de niveau 1 chez Guim, mais c'est incroyable. Ça ne se finit pas ce soir, vous êtes géniaux. Shady profite de l'argent de Cyril, jamais 203 MDR Maestro riche ce soir. Oui, on fait péter la banque de Maestro ce soir. Mais vous êtes géniaux. Mais vraiment, je n'en puis plus. Vous voulez ma mort en fait, vous voulez que je fasse une crise cardiaque. Vous êtes vraiment, je bégaye beaucoup parce que j'ai pas les mots, mais vraiment, je suis sincèrement très ému. Parce que je vois que du coup je vais parler du coup on va dire plus sérieusement. Même si je suis merde, je ne disais pas forcément des conneries. Quand je me suis lancé putain sur Twitch je n'imaginais pas déjà atteindre un tel nombre de followers, de viewers réguliers, même maintenant. Là je vois qu'on est 8, donc je sais qu'il y a des spectateurs qui restent silencieux, c'est tout à leur honneur et tout. Mais c'est incroyable, c'est vraiment incroyable, j'ai vraiment pas les mots, un grand merci à tout le monde. Vraiment, c'est fou,
C'est fou. Dabadi dabada égale liberté, égalité, fraternité. D'ailleurs, on attend toujours la chanson. Là, je vais essayer de faire mieux. Il faudrait que j'organise limite un live chanson, en fait, pour vous remercier. Je sais pas comment faire ça, mais il faut que je fasse un truc. Merde. Parce que là, je me sens pas de le faire. En plus, il est tard. Mes voisins, ils vont m'entendre chanter et tout. Ils vont se dire, qu'est-ce qui se passe? Putain. Le truc qui serait bien, c'est genre trouver des micros pour faire du Sing Star, vous savez, là. Frérot, je te ferai un don de 100 balles le jour où Crash redescendra d'espace, ça peut... Ça marche, right. Mais je retrouve plus la chanson avec l'autre abruti qui chante avec Slipman. Si quelqu'un peut m'aider avec Slipman. Je vois pas du tout. Je vais pas t'aider, Cyril. Ah, la fille, c'est quoi son nom? C'est Vita. En duo. Non, jamais de la vie, j'aime pas l'espace. Putain, mais mes gros doigts. C'est horrible parce que je sais déjà plus c'est quoi le temps qu'il faut faire. Je regarderai après hein, si vous me dites sur le chat ou même après dans le jeu, mais. Je tente, hein, écoutez, pour moi. Non, tu dis. Ah, effectivement. Merci pour le tuyau de la glissade et du saut. Hein. Mais merde. C'est peut-être pour ça qu'il y a un problème non crash. Merci Maestro. Mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas fait attention. Ah oui, pour le Vita. Non, Cortex va être en colère de ce que j'ai fait. J'ai détruit sa station spatiale. Et il est sur la Lune. Putain, son colère. C'est mouf que même moi je l'ai pas compris.
Ah merde. Je me suis trompé d'atelier, maestro, la chanson que tu dois chanter dans les 5 prochaines minutes. Mais je la connais pas. C'est ça le problème aussi. Les deux caisses percées en hauteur, si tu peux les avoir de en dessous en glissade, sauter tout pis, c'est plus rapide. Oui, je vois de quelle tu parles. On va essayer. Je promets rien, mais... Sans les masques, c'est surfait. Ok, tant pis. J'ai pas fait. Je suis sûr que tu connais Maestro. Écoute dans ton casque vite fait, pas en live. Quoi maintenant? Ah, pas en live. Oui, non, mais je la connais, mais je connais même pas le refrain en fait. C'est ça que je veux dire. Putain. Ok, de base, je suis un bandicoot. Je suis seul dans la jungle, puis soudain. À cause des copyrights. Ah oui, non, non, mais oui, ça, évidemment, je le. Je n'écouterai jamais de musique en live, hein. Peut-être en décevoir certains. Et là, je vais me concentrer des coups. Ah, c'est mauvais ce que je fais. Je l'ai dit, les masques, c'est surfait. Je suis sûr qu'il y a une frame où je peux passer entre les deux requins pour pas péter le premier masque. Ah putain de merde. Mais je crois que je l'avais déjà fait en plus tout à l'heure. Alors, j'ai réussi le move, mais je suis pas sûr que je l'ai bien optimisé. Donc tu me parlais, Rise. C'est chaud, hein, vraiment. Compliqué, compliqué, hein. Ouais, j'ai pris un peu trop mon temps, j'ai plus fait assez de tourbillon. Donc. Donc c'est les prochaines caisses, je vais pas tout avoir je pense. Parce que... Voilà. Ah mais je me rappelle plus du temps qu'il faut mettre aussi, je me répète là-dessus mais... Merde, je m'embarque comme ça. Et Coco 12, je sais même pas pourquoi je suis en couple. Je me disais aussi. Stona ou 16 ans. J'ai 22. Ah non, la chanson, c'est Il avait les mots. Oui, oui, je. Bah, celle-ci, je la connais, mais c'est pareil. C'est, je la connais de son, quoi. Enfin, comment dire. Je me suis jamais arrêté pour l'écouter de moi-même. Parce que quand ça passait à la putain de radio à l'époque. Rise, papy, ouais, oui. C'est évidemment que c'est Rise le plus vieux d'entre nous, hein. Et de toute façon, là, je. Comme dit Jean-Claude Van Damme, c'est rien.
Ah putain, mais c'est trop chelou, comme pourquoi je fais tout le temps ce mouvement là. Ok, je pouvais passer en dessous de la caisse de nitro, je viens de m'en rendre compte. Hein. Ça, je le fais péter là. Le prochain, je le fais péter aussi, hein, du coup. Maintenant. Ah, merde. Je me suis trop large. Mais merde. Ah, décidément. Oui, évidemment, hein, je suis plus vieux. je pense qu'il y a 23 persos quand il ment pas. Qu'il a 23. Ah oui. Je sais pas du tout, hein. Du coup, je ne sais pas. C'est à son bon vouloir de nous révéler. Putain, cette information. Il troll, mais bizarrement. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait de bizarre jusqu'ici? C'est la vraie question. Ah, du coup, ça, je viens de cheater que. Je viens de cheater un truc, mais je me concentre. Merde. Je viens de cheater un truc. Oui, Cyril. Très bien. Dernière bonne question, Mazo. Je te jure, frérot, tu me fais peur. Désolé pour les fautes. Oui, oui. Cyril, avec ça. Mais merde, putain, mais... Ah! Je suis pas bon, hein. Je suis réellement pas bon, là, depuis tout à l'heure. J'aime pas ça. Depuis quasiment le début du live, hein. De toute façon, je ne suis pas bon. Je vais essayer de m'acharner encore sur ce niveau-là. Mais si j'arrive à le passer au bout d'un moment, c'est bien. Si j'y arrive pas, tant pis. Hein, mais ce sera le dernier niveau de ce soir, je pense. Et on ira à raid de quelqu'un si quelqu'un est encore en ligne. Quoi. Pour l'instant, j'ai ma petite idée. Je pense que c'est mort, hein, mais je vais au moins essayer d'y retourner encore une fois. Mais...
crois que je fais moins bien que mon temps de tout à l'heure en vrai. Donc c'est forcément pas bon. Quel moment tu t'es dit que quelqu'un allait lire ton histoire? Tu as des posters de Crash chez toi? Moi, une peluche qui regarde le stream. Il y a même des chaussettes Crash. T'as acheté des figurines aussi. Un peu et des pop. Certainement. Un placement produit perso, mais un truc qui n'a rien à voir avec Crash ou jouer au cartes Yu-Gi-Oh! Et c'est ainsi que le rayon laser de Cortex qui m'avait fait changer d'apparence et coco aussi. Alors attendez, je vais vous monter un truc, montrer un truc du coup, tant qu'on y est. Je coupe la caméra 2 secondes pour préserver la surprise. Je la trouve trop cool. C'est une de mes préférées parce qu'il faut savoir que je suis un gros collectionneur de ces conneries là. J'en ai beaucoup de différentes choses, disons. Alors, regardez bien attention sous vos yeux ébahis. Je sais pas si on va bien la voir. Elle est pas trop mal. Mon petit Crash en pop sur son karting qui lève le pied. À la base, je voulais un Crash, vous savez, il en existe il existe des pop Crash où en fait, il est en mode tourbillon, donc du coup, ça fait genre une impression qu'il a 4 jambes et 4 bras. Je voulais celle-ci et je suis tombé sur celle-ci et j'ai préféré celle-ci, je la trouve absolument magnifique quoi. Je sais pas si vous la voyez bien. Si vous voulez que j'avance un peu, je ne sais pas. Mais voilà. Trop classe, ouais super. Voilà, c'est ma petite pop de Crash Bandicoot. À quelqu'un 500 euros. Je sais que ça a une grosse valeur, mais... Moi je ne... de toute façon je m'intéresse pas aux cartes Yu-Gi-Oh ou quoi. Ouais, je sais que c'est cette possibilité-là, mais... Et vous voyez, hein, il y a bien une femme où je peux passer. Hein. Je commence à comprendre un petit peu le début de niveau déjà. Ça, c'est cool. La fin, j'ai pas souvent été jusque là-haut, quoi. C'est pour ça que c'est laborieux, évidemment. Ah là, c'est pareil. Je suis trop merde, trop détente. Pour faire qu'arrive une figurine Crash 30 cm, elle est trop belle. Je crois. J'allais dire, je crois savoir c'est laquelle, mais en fait non, du coup, parce que je n'ai pas vu. Mais si c'est à celle que je pense, effectivement, elle est très très belle. Ah putain, mais je m'énerve du coup. Et merde. Je sais pas si je vais live demain, déjà de base. Je ne sais pas non plus à quelle heure du coup si je live. Mais j'hésite entre plusieurs choses à vrai dire. Soit encore du Crash, parce que il faut que je sois quand même à fond là-dessus. Peut-être du Spider-Man. Je ne sais pas encore. Mais probablement plus du Crash encore. Si je live, encore une fois, si je live.
Il y a bien une frame hein, entre les deux requins où je peux passer, mais alors tranquille, oui, oui. Et ça, en fait, si j'ai bien compris, il n'y a même pas besoin de changer une seule fois. Voilà. Alors, je sais pas si je suis dans les temps, dans les standards, quoi, mais. D'ailleurs, un truc que je vais arrêter de faire au bout d'un moment, c'est de regarder le chrono. Parce que c'est souvent ça qui me stresse aussi, moi, personnellement, quand je faisais les chronos sur les trois premiers crashs. Ah, je fais nimp. Ah oui, ça pourrait être cool Spider-Man. Bonne idée, Maestro. Mais oui, mais j'ai toujours des bonnes idées. Spider-Man, je l'annonce. Donc, ce sera la version PS5. Parce que c'est le premier jeu qui était sorti sur PS4 hein, que je vais faire. Et après, je ferai Miles Morales. Ce sera un Let's Play Platine. Aussi. Parce que c'est cool à faire. Ça, moins prise de tête que ça, déjà. J'ai déjà platiné la version PS4, donc il y a des choses que je saurais déjà un peu mieux. Ah, dommage. Non. Je vais faire trop chaud, mais... Taverne le bon qui lance un raid, merci à toi mon taverne. J'étais justement en train de suggérer que j'allais faire ça en fin de live. Mais du coup, c'est loupé. Mais merci à toi, t'es un amour. Hein. Abonnez-vous à Taverne le bon également. Oula. Ouais, la prochaine fois, ce n'est que partie remise. Hein. C'est une soirée incroyable hein, pour l'instant, vraiment. Pas en termes de gameplay, mais en termes d'amour que vous me donnez. Lolo. Eh merde, salut, heureux les gens. Et oui, tu étais déjà là. En termes de pognon, faut comprendre taverne. Ah oui. Alors t'en chies ? Oui. Oui, oui, oui. Je n'aime pas parler en termes de pognon. J'ai fait la blague tout à l'heure, mais moi je vois surtout que les gens sont géniaux. Ah putain de ta mère, la chouin. C'était bien Super Meat Boy, parce que du coup j'ai vu que tu faisais ça. J'imagine que ça devait pas être rageant du tout non plus. Ah, je suis vraiment pas ouf, hein. Non. Du coup, dis-toi que t'étais là pour le premier niveau, taverne, tout à l'heure, là, c'est le troisième. Pour te donner une idée de si j'en chie ou pas. Bien galère, mais grave cool. Demande-lui plutôt ce qu'on s'aille dans le... Oui, on va pas le forcer non plus, on va pas insister comme ça. J'ai pas t'enragé pour le coup, rien, salut, bien le salut, ma taverne, absolument. Du coup, je platinais, j'avais pas vu. Absolument pas. MDR, je comprends. Super Meat Boy, je pense que, en vrai, je. Non, tais-toi, Maestro. Bah. Ne commence pas à dire n'importe quoi. Thank you.
Eh merde. Putain. Mais j'ai des gros doigts. Normalement, je ne peux pas le faire, ce truc-là. Re, Crash Bandicoot, petit Crash. Pourquoi il était taverne? Il était taverne. Il était parti. Minutes pour Pity. J'ai mal pour tes mains. Là, ça va pour le moment. Franchement, ça va. Excusez-moi. C'est Silent Hill, Pity, non? Enfin, pété. Je ne sais pas. Pas la fameuse démo là qu'ils avaient sorti et que finalement c'est devenu des standing ou je ne sais quoi. Il y avait un bailleux un peu chelou comme ça. Je me souviens. Oui, ça c'est la démo du Silent Hill jamais sorti. Oui, d'accord. Je vais vous faire un tour de magie en direct. Maestro va sauter dans un trou. 3, 2, 1. T'es un salaud. Je suis désolé, t'es un salaud, sérieux. C'était mon vrai. Mais putain, c'est mes gros doigts encore. Parce qu'en fait, quand je suis en train de sauter, donc c'est 3, je suis en train de tournoyer, c'est carré. Donc déjà, regardez, je fais des trucs comme ça en même temps, j'appuie sur 3, c'est pas humain. À pied, il faut que j'appuie sur triangle pour changer de pouvoir. Donc du coup, quand je fais des trucs comme ça et que je fais ça, quand il est en saut et que j'appuie là sur rond accidentellement, ça fait ça. Bon, je vous laisse les copains, je compte sur vous pour... soutenir Maestro toute la nuit, bonne soirée, la grosse galère, ouais, non, ouais. Bonne soirée à toi, du coup, t'inquiète pas, le soutien est présent sur ce live depuis quasiment le début. Et je vous en remercie encore pour le raid, et encore une fois, allez voir Taverne Lebon, allez voir tous les copains qui sont dans les suggestions de chaîne, de toute façon. Allez leur donner de l'amour. Ils sont géniaux. Des fois je l'ai, hein, le passage pour les requins, mais des fois je l'ai pas. Parce que ça me fait gagner des précieuses secondes, je suis sûr. Hein. Après, du coup, pour revenir au live de demain, s'il a lieu, si je ne fais pas Spider-Man et que je choisis de faire du Crash, parce que j'avoue que je suis quand même chaud pour faire du Crash, hein, pour ne pas perdre la main. Spider-Man, on le commence la semaine prochaine. Je vais mettre le planning de la semaine prochaine, peut-être demain en ligne, du coup, d'ailleurs. Maintenant que j'ai une vague idée de comment il, quoi il va ressembler. Peut-être même ce soir après le live, je ne sais pas quand même.
surveiller ça. C'est chier. Ah putain, mais je suis vraiment nul. T'as raison, du temps, t'es motivé, profite. Alors attendez. Pourquoi je fais fou, je ne sais pas. T'aurais pu essayer quand même la démo de... Car il était sur PS4. Ouais, mais je sais pas à l'époque. T'avais un déjà laissé... Alors attendez. J'ai raté plein de choses visiblement. Alors, on souhaitait la bonne nuit à taverne, bail et tout. Ah oui, taverne, il gère les Silent Hill. Raise, oui, mais cool pas. Je pars pas, moi. Ah oui. J'aurais pu essayer quand même la démo. Oui, MDR. T'as raison, du temps, t'es motivé, profite-en. Donc, Coco avait aussi un ours polaire en... On reste entre nous, pardon. Avec Crash et Raise, manifestez-vous les autres aussi. Je crois que Crash leur fait peur. C'est pas impossible. J'arrive à rien. Là, je vous le dis, je pense que je vais faire encore quelques essais, peut-être 5, tu vois. Et après, je vais m'arrêter là. Par contre, il me faut combien pour la 50 secondes ? Il comptait pas. Putain, mais même le rythme de ça, je l'ai plus. J'ai voulu le tenter. Non, mais il faut que j'arrête de le tenter, ça, en fait. On prépare un nouveau raid, alors. Vous voulez aller chez qui, le chat? Tellement. Moi, dans mes suggestions de gens, enfin, des gens que je suis et tout, je n'ai personne de réellement... Enfin, il y a personne, en fait, de connecté, tout simplement. C'est pas qu'il y a personne de réellement intéressant, c'est qu'il y a personne. Donc, si vous avez une idée, écoutez, pourquoi pas. Après, essayez de trouver quelqu'un qui n'a pas beaucoup de viewers, parce que la dernière fois, tu avais suggéré Preston Citron à Taverne, Cyril. J'ai rien contre lui, hein. Mais il était déjà à une cinquantaine de viewers, entre 30 et 50 viewers. Essayez de trouver un petit, quoi. Enfin, plus petit que ça, encore. Après, s'il y a personne d'autre que vous me suggérez, on ira chez quelqu'un qui a, putain, 30-50 viewers, quoi. Ça va paraître suspect. Après, son, il est très bien. Ah oui, non, il est très bien, hein. En vrai, c'est mes cousins qui m'ont recommandé Twitch. Bah, ils ont bien pris, non? Mais oui, non, je disais du coup que Preston... Enfin, Preston Citron... C'est quelqu'un de... très bien, hein. Mais je disais juste que si il a déjà beaucoup de viewers, peut-être favoriser quelqu'un d'autre, tu vois. Parce qu'en plus, tu vois, quand t'avais la raid, on était moins nombreux, mais beaucoup moins nombreux, hein, que le nombre de viewers qu'il y avait déjà sur son chat. Donc, c'est pour ça. Après, ça me dérange pas d'être moins nombreux que quelqu'un, mais vraiment trouver peut-être quelqu'un qui a genre 3-4 viewers, quelque chose comme ça. Merde. Et du coup, je suis pas concentré. Et j'ai débouché. Et merde. J'oublie qu'il y a un délai. Et...
J'arrive pas, hein. Non, je connais déjà Cyril. Je ne la suis pas. Faut toujours écouter ses cousins. Faut pas, d'accord. Pression Citron, il a énormément de viewers, mais bon, il discute quand même avec le chat. On se cherche ça si tu regardes Amour en savant. Mais non, mais je sais. Alors attends, je vais aller voir, hein. Je vais être surpris. Ok. 16 196 viewers, j'avoue, c'est peu pour Amour en ça. Vous aurez peut-être la raid après. Ouais, oui, viewers, c'est bon, ouais. Ça, oui, tu vas être surpris, lol. Bah non, je connaissais déjà. Je savais déjà ce qui allait se passer. Je suis étonné que la première fois que tu m'as un flou ou pas. Tu me le rediras en fin de live. Là, je te fais encore deux essais et puis après, on va faire ça, je pense. Et sur quoi live ce monsieur, du coup, si tu peux me le dire aussi. Sword of Legends Origin, ok. Bon. Dernier essai, quoi qu'il arrive, je vous le dis. J'en peux plus. Ah, online, pas Origins, ok. Réellement trop impatient avec ces putains de requins. La petite glissade, elle fait plaisir aussi à arriver là. Là ici il faudrait que je trouve un autre moyen d'optimiser le temps parce que là j'ai pas bien géré la glissade. Ah j'avais plus de masse. Bon bah je pense qu'on va conclure là-dessus hein. Je suis désolé parce que là je n'en peux plus. Je vais préparer le raid avant de faire l'intro. On va quitter, on va se retrouver sur la map aussi. T'as bien joué, t'inquiète. Ouais. Ça a été un sport ce soir, je vais pas vous mentir. Alors, tu nous dis... Mister Tix. On va aller voir ça. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un sur son chat qui lui demande s'il fait un raid déjà. Attendez. Parce qu'en plus, je me tape une pub. Flemme. Enfin, pas flemme de le raid, mais. Ouais, j'ai fini la première dimension, c'est ça. Ah, t'as prévenu, d'accord. C'est bien. C'est vrai que j'ai un écran mort. Ouais, il m'a l'air sympa ce monsieur. Regardez, on va le raid. Regardez, hop. Je prépare le raid. Hop.
CTRL V. Voilà. Bah écoutez, moi je vous fais des gros bisous. Ça a été un enfer, ce sera sûrement ça demain. Hein. Mais je vous dis à la prochaine hein, pour d'autres aventures sur Crash Bandicoot. Sûrement demain, je ne sais pas encore à quelle heure. Je vous fais encore une fois des gros bisous. Et surtout, ne vous amusez plus.